Bonjour! Je vois que vous êtes là, c'est cool. J'espère que tout le monde va bien. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur le chat à côté. Hein. Je vois, j'ai mon deuxième ordi allumé, donc je vois un peu ce que vous me racontez. J'espère que tout le monde va bien, que le confinement, c'est pas trop dur pour vous. Moi, ça va. Moi, je bricole et tout ça, je prépare vos cours, donc ça va. J'ai mes trois gamins à gérer, donc ça va aussi. Donc, je vais voir. Ça me fait plaisir, en tout cas, de vous voir. Je sais pas s'il y a quelques troisièmes, j'ai pas le temps de regarder, j'ai pas trop l'habitude des lives. Je vois que vous êtes quand même plusieurs. Si vous avez des questions par rapport à des cours et tout ça, par rapport à des choses que je vous ai demandé, n'hésitez pas à me dire. Pour la partie Iron Man, j'ai vu qu'il y avait des petits commentaires, que ça n'avait pas été très clair. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde, hein, 5e, 4e et 3e. Il n'y a aucun problème. Faut juste penser à m'envoyer par mail un contact que je puisse vous envoyer en fait le groupe et que je puisse vous inclure dans le groupe WhatsApp pour qu'on puisse discuter un petit peu du travail de toute façon. Et puis je vous mettrai les vidéos aussi sur Internet. Enfin sur YouTube du coup. Donc je pensais voir si vous aviez des questions, si vous avez rien de spécial à me demander. Je vais vous. Ouais, je vois qu'il y a des troisièmes, donc je vais vous faire une petite explication du brevet blanc, un petit corrigé. Et puis voilà, déjà, ça serait une bonne chose de faite. Donc je vous montre ça vite fait. Désolé pour le retard, je suis allé boire un petit café, hein, en vous attendant. Je vais me chercher vos cafés. Bon, à la vôtre du coup, hein. Voilà, je vous prépare donc du coup la petite explication pour le brevet blanc. Alors, on passe sur le bureau et puis comme ça, je vous montre tout de suite sur le brevet. Alors, où est-ce que je l'ai mis ce brevet? Je l'ai mis là. Pour être bien sûr que. Alors, le brevet, où est-ce qu'il est? Le brevet, il est là. Il y a la petite correction qui est là. Elle est là. Comme vous avez remarqué, des brevets blancs hein, pour les troisièmes, j'en ai quelques-uns. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez chacun avoir votre petit travail troisième là. Il y a du bon. Là, vous voyez, il y a 12 brevets blancs. Donc on peut rester 12 semaines en confinement. Donc vous êtes prêts à rester 12 semaines, 12 semaines. Alors on était sur la tondeuse. La tondeuse. Bon, les 5e, 4e, bon, ça vous permet de voir un petit peu ce qui vous attend en 3e. Avec un peu de chance, je serai encore là, donc je vous verrai. Alors, la correction. La correction de ce fameux brevet. Alors, ce PD, cet ordi-là, il n'est pas très puissant, donc ça risque de bugger. Ah, bah c'est gentil. Ouais, bah je vais bien. Merci de me poser la question. Ouais, je vais très bien. Il fait beau en plus, donc. C'est nickel, j'espère que vous aussi ça va. J'ai pas entendu de trop de malades, donc ça c'est rien à voir. J'attends que ça ouvre mon. J'attends que mon fichier s'ouvre de correction. Ça commence bien. J'adore la techno. Enfin, j'adore la techno. J'adore la techno. Hein. C'est pas gagné. Falloir que je demande, falloir que je vois quand on rajoute une petite musique, hein, parce que c'est pas gagné. Il ne répond pas. Ah! Alléluia! Ça y est, enfin. Ah mince! Ah bah mais Yvotte, tes voisines, elles sont mal. Ah oui! Ah bah ça craint. Bah, j'espère que c'est pas trop grave pour eux. Hein, puis j'espère que tu les côtoies pas trop. Hein. Moi j'ai entendu oui, mon fils aussi il y a toute la famille à l'école de musique. Il y a toute une famille qui est malade aussi, mais ils étaient malades la semaine dernière et puis aujourd'hui ça va mieux. Donc bon, nous en tout cas ça fait une semaine, personne n'est malade chez vous. Chez vous s'il y a personne, je suis bien content. Alors voilà.
Donc, voilà la petite correction correspondant au brevet blanc que vous avez fait. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une tondeuse et que cette tondeuse, elle pouvait passer sur... elle était automatique en fait, et grâce à un capteur, elle pouvait voir ce qui se passait au niveau de la dimension du terrain. C'est-à-dire qu'elle s'arrêtait, détectait un signal magnétique et ça lui permettait de savoir si elle était au bout du terrain. Donc là, c'est tout simple, enfin, c'est tout simple, non. Il y a les différents composants qu'il y avait à remplir. Donc ça, c'était déjà un tableau rempli. Et puis, vous aviez le type de composant. Bah, détecteur, c'est capteur. Hein, ça, c'était pas très difficile. Un récepteur, c'est un capteur. Le moteur, ce sont des actionneurs. Ça transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Et l'émetteur radio, c'est ce qui émet un signal radio. Donc, comme ça émet quelque chose, c'est un actionneur. Puis après, il fallait juste indiquer les différentes fonctions techniques de chaque objet, de chaque partie. Donc le détecteur de champ magnétique, il détecte la présence du courant. L'émetteur radio, il envoie des informations à la base. Le récepteur, il reçoit les informations de la base. Le moteur, bah, il actionne la lime, la lame. Voilà. Et enfin, la dernière, il fallait faire attention, c'était bien la carte programmable. C'est le microprocesseur, c'est toujours la même chose. C'est, il traite les informations. Hein. Le microprocesseur, et c'est toujours ça, il traite les informations qui viennent des capteurs, il peut aussi stocker le programme et puis il envoie les informations à l'actionneur. Ça, j'ai regardé ce que vous m'avez envoyé au niveau des différentes copies de 3e. Franchement, ça, vous avez bien géré, donc ça fait plaisir. Ça, déjà là, si vous regardez, c'est 11 points, donc pour le brevet, c'est plutôt bon signe. Donc on va pas passer trop de temps sur cette explication, je vais vous la donner. Qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté? Toujours pareil, c'est quelque chose qui est connecté au réseau internet. Là, en l'occurrence, on va dire par le Wi-Fi. Mais je vous fais attention, c'est un objet connecté, c'est toujours quelque chose qui est connecté à internet. C'est ça la définition d'un objet connecté. Après, il y a différents types de moyens de connexion. Là, il y a les ondes, en l'occurrence, il y a le Wi-Fi. Puis, il y a des câbles. Ça peut être fibre optique, ça peut être câble Ethernet. Voilà, bon, OK. Et enfin, il y avait le petit algorithme à faire. Le petit algorithme, c'était le bon, c'était le numéro 3. Les deux autres, ils n'étaient pas bons parce que le premier, c'était même s'il détectait le champ magnétique, il continue à avancer. Et le deuxième, il était pas bon parce que même s'il y avait le champ magnétique, il continue à avancer de 40 cm le robot. Donc voilà, c'était pas si difficile. Est-ce que quelqu'un a une question ou pas? Mais non, t'as pas tout faux. J'ai pas eu l'impression que t'avais tout faux, mais bon. Ouais, le DM, ouais, c'est clair, le DM, il était pas très long. 25 minutes, 30 minutes pour faire ça, normalement, c'est bon. J'ai pas encore regardé tout le monde. Après, moi, ça m'a paru plutôt pas mal, le boulot que vous avez fait. Donc, j'étais assez content. Est-ce que vous avez des questions? Je vois pas trop de questions. Si vous avez pas de questions, vous pourrez toujours me poser les questions après. Plus tard, enfin, si vous n'avez pas de questions. Pour les troisièmes, du coup, je vais vous faire une nouvelle vidéo. On va travailler sur SketchUp. Donc là, je vais vous faire une vidéo à part pour ça. C'est la modélisation 3D. Alors, je sais que c'est pas simple parce que tout le monde n'a pas un ordi. Donc, je parle pour tout le monde, à 5e, 4e ou 3e, pour tout le monde. Je sais que c'est pas facile. Tout le monde n'a pas un ordi. Des fois, vous n'avez qu'un téléphone, vous n'avez qu'un ordi pour toute la famille. Donc faut pas vous prendre la tête. Si vous n'avez pas la possibilité de me faire le travail en temps et en heure, c'est pas grave. Vous essayez, vous restez en contact avec moi. Si le travail vous intéresse mais que vous n'avez pas la possibilité de le faire, bah vous m'envoyez un petit mot, puis j'essaie de vous donner autre chose à faire qui est dans le même style. Et puis bon, moi vous me voyez, c'est. Là c'est top. Voilà.
Donc, je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour les troisièmes. Pour les quatrièmes, ouais, alors domotique. Alors, je sais que domotique, ça a été hyper chaud pour vous parce que il y avait vraiment un gros problème d'installation. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des PC avec les dossiers dont les fichiers sont cachés. C'est-à-dire que quand vous téléchargez un fichier, bah, en fait, vous ne voyez pas tous les fichiers qui sont téléchargés. C'est une option qu'on désactive dans les dossiers. Donc, j'ai vu que pour vous, ça a été compliqué. Il y en a pas mal qui ont réussi quand même. Je pense que les parents ont bien aidé. Donc les parents, je les remercie beaucoup pour leur aide. Si vous n'avez pas réussi, vous inquiétez pas, c'est pas trop grave. On rejettera un petit coup d'œil en revenant du confinement. Pour les quatrièmes, ça va être pareil du coup. Le nouveau boulot que je vais vous faire faire, ça va être aussi sur SketchUp parce que la modélisation 3D, c'est vraiment quelque chose qui est important à voir. Donc je vous montrerai le lien. Il y a une appli à installer ou autrement, bah, faut. Autrement, faut juste aller sur un site en ligne, puis ça va vous permettre d'avancer. J'ai un autre truc que je voulais vous montrer, je sais pas si ça va fonctionner, qui s'appelle X-Machina. Je vais voir si j'arrive à vous le mettre en ligne, qui est vachement sympa. Je vais voir si ça fonctionne. Regardez ça. Alors en fait, c'est... Comment on fait attention lorsqu'on va sur les sites internet, c'est vraiment bien fait. J'espère que ça va bien fonctionner sur mon tel. Est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir? Non. Attendez, je vais vous le mettre direct comme ça. Il est comme ça. Alors où est-ce que j'ai foutu ça? C'est là. Toc. Ah non, c'est ça, je me gourre total. Votre prof, il est complètement à la ramasse. C'est pas du tout ça, je sais pas ce que je raconte. C'est ça le 5X Machina. Voilà. Vous allez voir, donc ça c'est sympa. Oui, je vois la petite question de Nourri. Ouais, tu as eu une leçon. Sur les actionneurs et sur les capteurs, effectivement, tu as eu une leçon. Par contre, si tu as besoin, je vais me noter, je vais vous le remettre à dispo si vous voulez sur Pronote. Je vais vous marquer. Vous voyez, donc ça, c'est ma petite feuille avec tous les gens qui me contactent et puis tout ce qu'on me demande. Donc, comme ça, voilà. Donc, remettre le cours sur les actionnaires. Comme ça. On pourra en discuter si vous voulez. J'ai une petite vidéo si tu veux qui est sympa, je vais vous la rajouter. Donc alors, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il me veut pas ça. Pourquoi il en veut pas lui? Il en veut pas. Ouais. De rien, t'inquiète pas ma grande. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, bon, je vais réessayer. Pourquoi? Ah oui, mais je me compte, c'est pas un point com, c'est un point net. Machina.net, qui est un domaine gratuit, il faut le savoir. Un point net, normalement, on n'a pas à payer pour avoir. Donc voilà, donc ça, c'est vachement sympa. Alors là, vous pouvez tous le faire, il n'y a aucun souci. C'est en fait en plus validé par l'éducation nationale. Donc vraiment, c'est un site. En fait, c'est lié à en fait comment vous alerter sur les dangers des réseaux sociaux. Alors, il y a un jeu sur les réseaux sociaux, c'est celui-là, qui est vachement sympa. Il y en a un sur le jeu vidéo en ligne, il y a un sur l'internet mobile et il y a un sur tout ce qui est chat et forum. Alors, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est assez sympa. Je crois qu'il faut juste faire gaffe à la mise à jour du plugin qui moment mon ordi est vraiment à la ramasse donc je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur ce truc-là et puis voilà quoi. J'espère qu'il va démarrer. J'ai pas de chance depuis ce matin, j'ai rien qui marche. En plus il pleut, ça y est, catastrophe. Moi je qui voulais me balader, je voulais aller faire du roller. Enfin, devant chez moi, hein, à moins d'un kilomètre devant chez moi, avec mon fils. Voilà.
Je vois que personne ne me pose trop de questions sur ce que je vous ai demandé, donc c'est que tout va bien. Ouais, bah Jade, ce que tu fais, c'est pas très grave. Si tu m'en as rendu qu'un seul, l'exercice, te prends pas la tête, c'est pas grave. Après, tu peux me les envoyer sur l'adresse mail, hein, technologie les deux points, @gmail.com. Tu peux me les envoyer, les quatre fichiers. Maintenant, si tu m'en as envoyé qu'un, t'inquiète, je vais vérifier ça. C'est déjà bien d'essayer. Bon, essayez, je pense que vous aurez un peu plus de chance. Je pense que moi, c'est vraiment mon plugin qui bug. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà. Pour les autres, si je vois que vous n'avez pas de questions, personne n'a de questions autres, parce que c'est pas la peine que je fasse un live pour rien. Voilà, pas de questions, j'attends. Ok. Bon, du moment que tout le monde va bien et que tout le monde est ok, je vais vous rajouter les vidéos dans Didax. Alors, je vais vous montrer quand même où ça se situe. Comme ça, je suis sûr que vous n'oublierez pas. C'est dans ici. Donc, ça sera là où vous allez travailler. C'est votre nouveau travail. Alors, ça va être un travail pour les 5e, les 4e et les 3e. Pour les 5e, j'ai déjà mis le travail en ligne. Donc on va aller sur le site de Xinops. Et là c'est pas mal, vous allez voir ce site, c'est nous on va utiliser Didax en ligne. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc ça s'appelle Didax en ligne. Voilà. Et là vous allez voir. Alors, on va faire quoi sur SketchUp? Alors, pour les troisièmes, vous savez qu'on a le projet de petite compétition de robots là au retour des vacances. Au retour, non. Pas des vacances, au retour du confinement. Et du coup, j'aurais bien voulu que vous essayiez de modéliser des obstacles qu'on pourrait imprimer en 3D. Alors regardez, une fois que vous avez, donc vous êtes allé sur Didax, que vous allez sur formation en ligne, vous avez une formation qu'on appelle les formations autonomes ici. Donc les autres, c'est pas. Il y en a une sur l'impression 3D. Bon, ça on pourra la voir si on y reste vraiment longtemps. Celle qui m'intéresse le plus pour vous, les quatrièmes et les troisièmes, c'est cette partie-là, SketchUp Élève. Alors pourquoi je voudrais que vous fassiez ça? Pour les troisièmes, comme je disais, c'est déjà dans un premier temps, c'est de faire les obstacles pour la petite compétition avec les robots. Avec les mbots. Et pour les quatrièmes, on va essayer de modéliser en fait les parties mécaniques qu'on va avoir besoin sur le casque. Comme vous avez expliqué la dernière fois, alors je vais passer sur un autre mode. Je vais passer sur ce mode-là. Le mode explication. Alors la live caméra, je sais pas ce que ça va donner, c'est du live. Donc je vous rappelle qu'on a fait le casque. Et en fait, nous, ce que je voudrais, c'est qu'on crée et qu'on modélise, donc ça on verra plus tard, une partie qui va nous permettre ici, si vous voulez, lorsqu'on aura le casque, je vais faire zoomer un petit peu plus comme ça, quand on aura le casque, de pouvoir faire ouvrir le casque comme ça. Voilà. Donc on va enfiler le casque, ce qui serait sympa, c'est au moment de l'ouverture du casque, ouais, cette partie mécanique, elle se fasse toute seule, comme ça. Donc on met le casque dans nos têtes. Ici, on va intégrer les petites pièces qui sont là. On va mettre deux petites pièces à l'intérieur du casque, ici aussi. Et le but du casque, ça serait qu'on puisse lui faire faire ça. Et ça serait super stylé. Dire qu'on appuie sur un petit bouton et le casque fasse ça. Alors, il y a deux modes d'ouverture. Il va falloir qu'on y réfléchisse. C'est où on l'ouvre comme ça. Ou alors on l'ouvre comme ça. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il va, si on l'ouvre comme ça, voilà, c'est qu'il faut prévoir toute une pièce mécanique qui va faire la translation du casque comme ça. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, pour les quatrièmes, ça sera ça le fonctionnement. On fera aussi, évidemment, on fera aussi l'éclairage. Hein, on va aussi faire l'éclairage du devant, c'est-à-dire des yeux, là. J'aimerais bien qu'on puisse éclairer les yeux. Que quand on l'allume, quand on ouvre le casque et qu'on le referme, les yeux se mettent à clignoter. Donc ça serait vachement stylé aussi. Donc voilà. Donc
Ok. J'ai pas du tout regardé ce que vous m'avez dit pendant que je faisais ça. Donc, qu'est-ce que vous m'avez écrit des trucs? Ah oh, bah ça je sais pas. Ah bah de toute façon, est-ce qu'on aura le temps? Oui, après le confinement, hein, alors. Est-ce qu'on aura le temps? Bon oui, je pense qu'on aura le temps de toute façon. Moi je vais travailler dessus avant les. Je vais travailler dessus là pendant le mois ou les 3 semaines qui nous restent. Pour avoir quand même quelque chose de fonctionnel au retour quand on retournera en cours. Le but c'est que vous cherchiez des solutions, c'est ça le but de la technologie. Moi en parallèle je vais trouver des solutions. Je vais aller sur internet aussi pour trouver parce que j'ai des. Puis je vais demander à des potes qui sont spécialisés dans ça aussi, dans la modélisation, de me donner un petit coup de main pour avoir déjà les choses à imprimer. Donc on fera les casques qu'on va fabriquer pendant le confinement, ils vont nous servir de prototype après. Avant de, peut-être si on a le temps d'en imprimer un vrai en 3D. Tout ça, c'est pas sûr. Mais au moins la motorisation, c'est quand même. Ça serait quand même le plus cool. Enfin moi je trouve que ce serait le plus cool. Ouais, alors je vois que tu voulais faire un Discord. Ouais, bah, Discord, pourquoi pas. Il faut que je vois, effectivement, pour faire les. Alors, pour faire les cours, c'est compliqué. Alors, je vois que mes fils, ils le font au lycée. Donc, ça, Discord, moi, je suis pas contre. Le souci, c'est que. Je peux pas trop avancer dans le cours. Parce que. Il va y avoir vraiment une. Ça va vraiment vos collègues, qui ont vos amis de classe, qui n'ont pas accès à Discord. Il y en a quand même beaucoup, qui. Ils vont vraiment avoir du retard sur le cours. Donc nous, on peut avancer sur certaines choses, travailler ensemble en parallèle, mais je peux pas vous apprendre des nouvelles notions ou alors vraiment des choses simples, refaire des révisions, mais apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis pas pour parce que au retour, ça va être compliqué, sachant qu'on va pas non plus tant rater de cours que ça, parce que entre les ponts du mois de mai, bon, on sera revenu, j'imagine. Mais d'autres choses, je pense que si on a raté 4-5 cours, c'est pas non plus. Ouais, c'est peut-être plus que 4-5 cours quand même, parce que 7-8 cours, donc si ça fait quand même pas mal. Mais bon. Alors, c'est quoi que tu veux dire par compliqué, Angel? Tu me dis, oh, j'espère que ça sera pas trop compliqué. Bon, on fera ce qu'il faut pour que ça soit pas trop compliqué. Bon, est-ce que vous, ça peut vous. Est-ce que ça vous branche d'installer. Le prochain DM pour les troisièmes. Le prochain DM pour les troisièmes, bah, je vais vous le faire cette semaine. Voilà, comme ça, ça va être réglé. T'as bien fait de demander. Ouais. Oui, Discord sur tel, ouais, je sais, je l'ai, je m'en sers personnellement moi aussi. On pourra essayer de toute façon dans un premier temps, mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un Discord. Il faudrait que je fasse un Discord pour chaque classe. Ça commence à être compliqué à gérer pour moi. Un Discord pour chaque troisième, un Discord pour chaque cinquième, un Discord pour chaque quatrième. Ou alors il faudrait que je fasse un Discord par un niveau. Bon, à réfléchir, je vais y réfléchir cette semaine, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est plus intéressant que la vidéo en live comme ça, parce que c'est vrai que le live, le souci c'est que c'est pas très. Pour vous montrer des choses, c'est sympa. Après, on peut pas vraiment échanger quoi. Bon, je vais voir pour le. Non. Pour le brevet, j'ai aucune idée, je sais pas encore. Moi, d'après les infos qu'on a jusqu'à présent, le brevet est exactement pareil. Le brevet blanc, je pense que ça va être annulé tout simplement. Par contre, pour le brevet classique, je pense que là, il s'est pas prévu de changement de date. Donc, ça sera pareil normalement. Le travail est toujours à rendre le dimanche, bon, sachant qu'il y a encore des personnes qui m'ont rendu le brevet hier soir. Hein. Donc vous inquiétez pas, on est obligé de mettre des dates un peu pour fixer tout ça, mais bon voilà, parce qu'autrement, moi, il n'y a pas. Si je dis pas tel jour vous me rendez les brevets, c'est difficile de vous donner des explications après. Donc voilà, Lorenzo, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, normalement, moi, là, d'après ce que j'ai eu comme info aussi, c'est que le brevet, il serait repoussé juste d'une semaine. Donc, ouais, bon, j'attends d'avoir des informations officielles. Ah, le brevet est annulé. Tu dis quoi, Nourri? Le brevet est annulé, le brevet blanc ou le vrai brevet? Parce que moi, le vrai brevet, j'ai. Ah oui, le brevet blanc, oui, voilà, c'est ça. Parce que, ah, ouh.
Je me dis, ah, au courant. Mais le brevet blanc, ouais, je sais pas si je préfère que ça soit vos pépés qui vous passent l'info. C'est pas trop à moi de vous prévenir pour le brevet blanc. Après, je pense que vu les brevets blancs qu'on va avoir pendant la période de confinement, vous mettre un brevet blanc, à part vous faire perdre du temps pour acquérir des nouvelles notions, ça ne vous servira pas à grand-chose. Ouais, bon, alors les fautes, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, je suis le premier à faire des fautes, donc il n'y a aucun souci. Bon, est-ce que vous avez des questions de plus ou pas? Bah, je suis bien content de vous avoir en tout cas sur ce live parce que moi aussi, moi en tout cas, j'aime bien vous avoir en cours. Hein. Les vidéos, c'est sympa, mais c'est pas aussi sympa que je trouve que de se voir en cours, quoi. Ah, je vous donnerai pas les douze, t'inquiète pas, je vais juste vous donner les plus difficiles. Hein? On va voir comme ça. Ce sera plus simple. Bon, bah ouais, autrement, pas de nouvelles, il n'y a pas de choses. Vous avez regardé les vidéos, en fait, que je vous avais demandé, là, sur Xenius, là, sur Arte, est-ce qu'il y en a qui ont regardé? Ou pas? Ouais, je sais, le confinement, c'est pas facile, ouais. Moi aussi, je trouve que c'est difficile. Ou après, moi, je bricole pas mal, hein, donc j'arrive toujours à me débrouiller. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans qui va... Est-ce que vous avez regardé les vidéos Xenius? Est-ce qu'il y a certains de vous qui veulent attaquer le casque Iron Man avec moi ou pas? Que je sache. Ouais, je sais, Ibrahim, hein, qu'on peut faire plusieurs catégories pour chaque... Moi, ce qui me pose problème le plus, en fait, dans le Discord... Le plus dans le Discord, c'est que j'ai un souci. Je vous ai déjà sur YouTube, je vous ai par Pronote, je vous ai par mail. Discord en plus, moi je vais passer ma vie sur Discord, quoi. Passer ma vie sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop envie, quoi. Bon, après, moi sur le Discord que j'ai sur mon vieux Samsung, je peux faire ce que je veux. Attends, je vais regarder. Parce que pour la sauce, en fait, mon asos, j'ai un Discord. Donc effectivement j'ai les groupes. Bon, à part que je suis surnommé le vieux sur le groupe, c'est toujours plaisir. Hein. Sur le Discord de la sauce, j'ai général, manga, jeux vidéo, films, séries, entraide, organisation des conventions. Puis on a rajouté des salons vocaux. Donc bon, je suis pas contre, pourquoi pas. À voir si. Ouais, quoi. Ah bah oui, les gens ils ont peur. Les gens ils ont peur, donc ils achètent des pâtes. Des pâtes et du papier toilette. Ouais, bah voilà. Pour vivre, il faut des pâtes et du papier toilette. Voilà. Moi j'avais pas prévu automatiquement ça comme. Bon bah. Est-ce que. Voyons. Moi j'ai mon flux vidéo, il est vraiment pas terrible. Si vous n'avez pas d'autres questions, il faut que je vous prépare vos vidéos, donc je ne vais pas rester trop longtemps avec vous. Donc je récapitule pour tous ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, même si vous pouvez la revoir. Il y aura donc première chose, les troisièmes, Xenops avec la 3D, pour les quatrièmes aussi. Et puis pour les cinquièmes, j'ai mis le boulot sur le réseau informatique, toujours un petit fichier, et puis sur le rétro gaming. Donc voilà. Ah bah ça commence, bah bravo. Ah oui. Bien, c'est bien que tu fasses attention à ce que tu écrives. Ça me fait plaisir. Et bon, bah je vous laisse. Je lui dis bah. Ah bah voilà. Donc si vous n'avez plus rien à me dire, pas de questions à me poser, c'est un peu le but du truc. Je pas la peine qu'on reste dessus pendant trois plombes. Bah, je vous dis à bonsoir. Ah, bonsoir. Oh là là. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez qu'on refasse
Bon, si vous voulez qu'on refasse un live, on refera un live. Peut-être vous me posez des questions à ce moment-là, comme c'est au moment où je fais le live, je sais déjà ce que vous voulez. Là, c'était juste pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis, bon courage à tous, et puis à bientôt!